Je m'appelle Johanna et je suis technicienne en expérimentation animale. Mon travail, c'est de faire en sorte que les animaux aillent bien, de faire le suivi aussi des animaux, du bien-être. Au cas où il y a un changement de comportement, être alertée s'il y a tout de suite s'il y a un souci. S'il y a une chirurgie sur la journée, je vais préparer la salle la veille. Sinon, je m'occupe aussi on a ce qu'on appelle un pool reproduction, donc je m'occupe de la reproduction des animaux. Tout ce que je fais, je dois quand même aller en parler à ma supérieure ou au vétérinaire qui est en charge des animaux. On a travaillé avec des cardiologues des États-Unis. En fait, ils sont venus pendant une semaine pour faire des chirurgies. Et c'était des gens très, très accessibles. Pendant les chirurgies, ils sont venus, ils m'ont dit « Viens, je t'explique pourquoi on fait ça. » Enfin, en anglais, bien sûr. C'était vraiment, vraiment enrichissant. Et on se dit « Je sers à quelque chose. Enfin, je suis pas juste technicienne. » Les conseils que je pourrais donner aux jeunes, de faire des stages. Enfin, moi, je sais que quand j'étais en terminale, par exemple, j'ai fait un stage chez un vétérinaire pour voir. Et de demander, enfin de ne pas hésiter à aller poser des questions ou à aller rencontrer des gens ou envoyer des mails. Moi, je sais que j'étais très, très timide quand j'étais au collège ou au lycée et que je n'osais pas aller poser des questions. Je me disais, je vais déranger et il ne faut surtout pas penser comme ça. Si on a la chance de faire un travail comme le mien, ça peut être passionnant. Parce que je me dis que le but, c'est d'aider des gens derrière. Donc, on a tous eu dans notre famille des gens malades, malheureusement. Et donc, on espère tous que d'autres personnes ne souffriront pas comme les gens de notre famille. C'est vrai que ça me passionne. J'ai la chance de pouvoir dire ça.